Et coucou les amis, qui c'est qui est en train de monter une pyramide de boîtes parce que j'ai une super nouvelle. Ça se construit tout doucement. Donc là, il n'y en a même pas une centaine, hein. Il y en a une cinquantaine. Il va falloir en faire 600. Tout va bien. J'ai préparé tous les papiers bulles. J'attends les marque-pages, mais tout va très vite arriver. Coucou les amis, on se retrouve en face cam avec un magnifique soleil ici à Toulouse. Ça fait du bien, ça réchauffe. C'est très très agréable pour ce fin de mois de février. Alors ce vlog, je voulais filmer trois fois de suite. La première, il y avait des travaux, j'ai dû tout arrêter, on n'entendait plus rien. La deuxième, c'était la bonne, mais finalement j'ai reçu un mail qui va vous intéresser. Du coup, je me suis dit, bah, ça sert à rien que je vous poste ça sert à rien que je vous poste en fait ce vlog, puisque de toute façon, tout a changé par rapport à ce mail. Et donc nous voilà pour la troisième et la bonne cette fois-ci. Donc j'ai reçu un mail de mon imprimeur, ça y est, les jeux Envolée Sauvage et le Tarot Renard vont pouvoir embarquer. Ils embarquent le 8 mars, ils vont arriver mi-avril. Bon, il m'a dit début avril, hein, mais avec la douane, tout ça, je préfère prendre un petit peu plus de marge. Et donc c'est bon, je vais pouvoir vous envoyer les jeux pour le Kickstarter courant avril. Là, je suis en train de préparer les boîtes comme vous avez pu le voir. Comme ça, en une semaine, je pense que j'aurai terminé tous les envois du Kickstarter. Et du coup, je vais pouvoir vous proposer aussi des précommandes pour le Tarot Renard. J'attendais vraiment que la date d'envoi soit donnée pour ne pas vous faire patienter plus d'un mois, en fait, entre le début des précommandes et l'envoi des jeux. En espérant bien sûr que tout se passe bien, puisqu'en période de Covid, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer. Fermeture des ports, plus de temps au niveau du dédouanement, tout ça, ça peut arriver. Donc voilà, il faut le savoir. J'ai reçu également un exemplaire du Tarot Renard. Alors je vais vous faire une présentation bien sûr en bonne et due forme pour le jeu du Tarot Renard et pour Envolée Sauvage, mais je voulais quand même vous montrer le dos, puisque j'avais changé le dos. Si vous allez bien voir avec le soleil qu'on a, mais j'adore. Voilà, j'adore, je suis super fan. Il est très très beau, les couleurs sont magnifiques. Et puis cet orangé derrière, en fait, j'ai fait une gravure non pas dorée, j'ai fait une gravure orangée. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir sur la boîte. Ah, on voit pas très bien avec la lumière. Et dans le même temps, j'ai reçu aussi, puisqu'il va arriver en même temps, le premier jeu de Wild, Envolée Sauvage, dont les textes ont été faits par Claire, Claire de la Lune, Claire Duval. Et les magnifiques illustrations de Eva Pierrot. On a de très beaux textes, de très belles illustrations. C'est un jeu qui arrive comme ça dans un petit coffret. Alors c'est pareil, je vous ai mis de la dorure dessus. Je l'ai pouponné, ce jeu. Et alors il a un truc incroyable que vous n'avez peut-être pas encore vu sur d'autres jeux, mais il a des parties en relief. Voilà, vous voyez, il est mat et certaines parties sont brillantes. Vous avez le texte au dos, c'est une bénédiction à chaque fois. Claire a fait un travail un peu de canal, mais c'est ce qu'elle fait un peu pour tous ses jeux, et c'est ça qui est très très intéressant. Donc là, on l'a appelé justement message d'inspiration du divin, puisqu'on est vraiment dans cette énergie. Et puis les illustrations collent tout à fait avec. Alors, bien sûr, hein, je vous ferai une présentation également de ce jeu-ci. J'adore cette aquarelle-là. Sublime. Hop. Pas grand chose avec la lumière, j'espère que vous verrez mieux que moi, j'espère ne pas devoir le couper au montage. Voilà, et sur chaque carte en fait vous avez des parties qui sont en relief. Regardez-moi cette beauté,
Voilà, et là, vous avez quand c'est même une expérience tactile parce que quand vous allez toucher la carte, vous allez vraiment ressentir des parties comme ça qui vont s'accrocher un petit peu sous vos doigts, que vous allez sentir en fait ce relief. Voilà, donc je vous fais des présentations très rapidement en fait de ces deux jeux. Et puis comme ça, vous allez pouvoir aussi les retrouver sur mon site. Je pense qu'au moment où j'aurai posté cette vidéo, les jeux seront déjà en précommande. Voilà, donc je les laisse pendant un mois, les précommandes. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, vous inquiétez pas. Et puis on va voir, j'attends encore les pochons, j'attends les nappes, mais ça, elles sont parties déjà depuis un moment, donc elles vont pas tarder à arriver. Et comme ça, je vais pouvoir commencer à préparer tous ces petits colis. Voilà. Alors, je voulais vous parler aussi de nos projets, parce que vous avez vu passer beaucoup sur Instagram, et puis dans les vlogs aussi, des illustrations que j'ai faites sur le thème de Noël. On était hein, dans cette ambiance Noël, hiver. Et en fait, avec Claire, ça faisait plus d'un an qu'on pensait travailler sur un jeu sur le thème de Noël. Claire avait commencé à écrire les textes, j'avais fait deux, trois petites têtes d'illustration, mais sans plus, on avait laissé un petit peu le projet stagner. Et puis, en fin d'année dernière, en fin d'année 2020, donc ça remonte qu'à 2 mois, hein, il y a vraiment eu moi j'ai vraiment ressenti cet appel de travailler sur ce jeu. À partir de novembre, j'avais tellement envie de me plonger en fait dans l'univers de Noël, ça faisait du bien avec tout ce qui se passait autour de nous, de pouvoir exprimer aussi et trouver de la magie à travers des illustrations. Donc j'ai repris ce projet-là vraiment à fond avec Claire. Et du coup, ça donne les illustrations que vous avez vues, déjà, que vous avez déjà vues dans certains vlogs, et d'autres que vous n'avez peut-être pas encore vues. Donc voilà, je vous les montre. Et il s'agira donc d'un jeu sur le thème du Le Normand, mais travaillé aussi comme un oracle. Donc on va avoir ces deux thèmes, oracle Le Normand, dans le sens où Claire a changé certaines cartes, a renommé certaines cartes. Par exemple, on a le Mont Blanc pour le Mont, qui est ici. On a... Alors le fouet reste le fouet, mais c'est dans l'univers des gâteaux, pour faire la bûche. On a par exemple à la place du serpent, on a le ballotin de chocolat pour représenter ce côté tentation aussi. On a à la place de la tour, on a la cathédrale Notre-Dame qui est une des illustrations que j'aime le plus. On a par exemple ici l'archange Gabriel. Donc vous voyez on retrouve hein, là les chemins. On va retrouver donc ici les chemins, on va retrouver le renard, on a les poissons comme on trouve traditionnellement, hein, le cadeau qui est bien explicite aussi. Mais comme certaines cartes ont été renommées, on s'est dit qu'on allait retravailler un petit peu, par exemple pour le cœur, on a la pomme d'amour, travailler en même temps sur le thème et d'un oracle et d'un Le Normand. Donc ce jeu pourra être utilisé en Le Normand pour ceux qui le souhaitent et pourra également être utilisé comme oracle, et ça permettra aussi aux personnes qui ont peut-être un petit peu peur du Le Normand d'avoir une première approche aussi, de pouvoir se dire ben là je le prends comme un oracle, donc je le travaille comme un oracle avec les explications de Claire, parce que Claire a aussi travaillé dans le livret sur ce côté message des cartes et en même temps traditionnel aussi sur un Le Normand. Donc chacun pourra vraiment travailler comme il le souhaite avec ce jeu. Et ça m'a beaucoup beaucoup plu en fait de faire ce pont entre Oracle et Le Normand et de pouvoir avoir cette opportunité en fait d'approcher un Le Normand de façon plus facile aussi, avec moins d'a priori, et puis sur un thème qui est un thème qui est censé justement nous réchauffer, nous câliner, nous mettre dans une ambiance chaleureuse des feux de cheminée, voilà, de fêtes, de douceur aussi, parce qu'on retrouve ce côté douceur molletonnée qu'on a en hiver. Donc vraiment, et puis c'est ce que ça m'a... Moi, c'est ce que ça m'a apporté, en fait, de travailler sur ce jeu. Ça m'a vraiment réconforté énormément. Ça m'a fait un bien fou.
J'ai adoré, adoré travailler sur ce jeu. Claire a adoré justement le reprendre aussi pour s'embarquer dans cet univers enchanté et magique de Noël. Donc on espère vraiment, vraiment que ça va vous plaire. Waouh, j'ai un débit de parole aujourd'hui. Je viens de boire un café, ça doit être pour ça. Mais bon, moi je vais vous filmer la présentation d'Envolée Sauvage. Je vais vous filmer la présentation du Tarot Renard. Je vais vous faire des petites photos pour vous mettre sur Instagram aussi. Je prépare pour tout vous mettre sur le site et puis pour justement la semaine prochaine. J'espère que tout sera ok, tout sera bon pour la première semaine de mars, en fait, vous mettre tout ça. Alors voilà, c'est parti pour le tournage, c'est parti pour les photos, et comme ça vous allez pouvoir très très vite découvrir ces deux super jeux. Ouais, je suis pas du tout objective, mais c'est pas grave. je suis trop fan de ces deux jeux là. Allez, on se retrouve très bientôt. Bye bye.